Dans ce tutoriel-là, on va essayer de voir le logiciel futur, un logiciel CFAO. Premièrement, on va ouvrir le lien du logiciel futur. On attend un petit peu. Bon, la base de données, outils et de matière va maintenant être initialisée ou mise à jour. Donc, on va mettre OK. Bon, dans cette fenêtre-là, où se trouve la base de données? Donc, c'est le PC local suivant. Attention ici, il faut pas travailler avec les pouces. Pour nous, on va travailler avec les métriques suivant. Bon, voilà, donc vous avez sélectionné les options suivantes. Initialisation de base de données. Cliquez sur Terminer pour initialiser la base d'outillage. Donc l'outil c'est métrique, la base outil de base c'est métrique. Marquez terminé. Donc la base de données sera initialisée. Et l'écran Future Cam est affiché. On attend un petit peu. Bon, il existe un tutoriel pour la prise en main pour le logiciel Future Cam. Donc sur l'aide, vous pouvez entrer et voir le tutoriel Future Cam. Très explicite. Ok. Bon, on va travailler dans un nouveau fichier suivant. On va choisir le fraisage. Attention ici, il faut changer, il faut pas laisser les pouces, il faut mettre les millimètres. Sinon, on aurait des problèmes puisqu'on a choisi tout à l'heure métrique. Donc ici, on va choisir millimètres pour que les unités soit compatible. Terminé. Alors ici je nous quitte qu'un chauffe neuf chez donc automatiquement quitte l'année un but par défaut. Donc on a fait GRD, c'est l'outil de travail. C'est ici que je vais travailler et mettre les features et tout ça. C'est un chercheur dynamique, c'est-à-dire on peut faire entrer des valeurs, etc. Donc, le qui est dans le chacha, c'est un brut par défaut. Donc, le brut dialogue 100 sur 120 sur 25. Bon, ce qui m'intéresse dans ce schéma-là, c'est X, Y et Z. Puisque le brut c'est il est statique, il n'est pas dynamique. Donc, les valeurs sont 120 et 25, c'est-à-dire je peux les changer. Mais ce qui m'intéresse ici, attention, c'est X, Y et Z. Puisque la pièce que je vais mettre sur la machine Charlie Robot, la machine Charlie Robot elle-même a des axes X, Y, Z. Donc, c'est l'axe X, Y, Z que j'ai pris d'avant, la première partie, la première étape. Donc, c'est qu'on X compatible avec X de la machine, Y compatible avec Y de la machine, Z compatible avec Z de la machine. Voilà. Donc, à de largeur longueur, ça n'a aucun sens. Je peux changer par exemple la longueur à l'indirect manine. La largeur, je vais la laisser 100. Donc, elle dit donc largeur 100, longueur manine, ça n'a aucun sens. Ce qui m'intéresse, X 80, Y 100. C'est comme ça que je vais travailler pratiquement sur la machine Charlie Robot, X avec X, Y avec Y, Z avec Z. Et j'ai une épaisseur de 25. Ici, je peux choisir un rond, je peux choisir un polygone, mais puisque je suis en fraisage, généralement, on travaille avec des cubes. Donc, je vais choisir un cube. Ceci est fait, donc je mets suivant. Un autre, l'aluminium, la matière. Donc, je peux choisir par exemple les matières plastiques. Je peux choisir aluminium, je peux choisir ce que je veux. On a qu'à atteindre les caractéristiques de la matière. Suivant. Bon, utiliser le positionnement multi-axe, multi-axe. Donc, un des suivants, des noms, des suivants. On a qu'à atteindre le repère, donc c'est repère 1, identifier posage 1, au nom de la pièce ma FM1. Suivant. Quelle méthode utiliser pour définir la position Z0? Programme pièce, donc utiliser la position courante suivante. On est qui a atteint la position 00, 925, on dit fin. Et voilà. Bon, donc j'ai choisi dans Y 100, X 80, épaisseur 25. Il s'agit d'un cube. Donc,
كيعطي هنا واحد لوريجين. فين بغيت ندير لوريجين بروغرام؟ puisque l'origine programme d'ailleurs ouais بالنسبة le brut, donc ici je peux le voir vu isométrique, donc le brut c'est ça. Donc j'ai la largeur qui correspond à y 100, c'est-à-dire c'est ça, et j'ai la longueur بالنسبة, ici c'est x, c'est pas une longueur, donc c'est x, donc c'est 80, donc 80 c'est ça, et 100 c'est ça suivant y, donc suivant y c'est 100, suivant x c'est 80 et suivant z c'est 25. On va déjà la position de tout à l'heure, je vais dessus. Bon, nisbah à l'origine programme, je peux le changer, je peux le positionner n'importe où. Bon, quand même, on va le def x en air, naqis 80, naqis 80, naqis 80. On va l'appliquer, je vais vous montrer. Donc, donc là, je vais faire mon travail ici. Donc, tout centré. On va faire notre centré. Là, on va faire l'origine programme. Là, l'origine programme, je vais en pièces sans confondu. Donc, on va faire dans une autre position. On va faire puisque la longueur de ma pièce est 100. Donc, on va faire appliquer. On va faire l'effort. Il suffit de mettre tout centré. Parce qu'il est centré sur la page de travail. Voilà, donc je vais la position AD, donc il suffit de mettre ici 0, appliquer. Voilà, bon, je peux choisir, donc tout centré, je peux choisir l'origine programme. Donc je vais faire ça au flou. Maintenant, on va dire la naqis 50, on va dire la naqis 40, parce que j'ai une flaque, le centre de la pièce, naqis 40. Appliqué, donc voilà qui est génie flou, c'est l'origine programme, tout centré génie là. Donc la meilleure façon, donc on va le positionner 0, 0, donc appliqué. Voilà, donc je vais choisir mon origine programme, donc 0, 0, 0. Donc on dit ok, donc on a des valeurs, on a la flèche. On clique, finalement, clique, qui est délite, qui est délite la valeur. Donc, on a dit qu'il n'a pas, il a fait autre chose. Donc, on a dit qu'il a fait autre chose. Voilà, voilà, comme ça. Donc, on clique n'importe où, qui a délite des valeurs directement. Donc, on a des valeurs bien détaillées, des 0, 0. On dit appliquer. Dire appliquer, donc fait j'ai choisi mon origine programme, origine pièce, origine programme, dire ok et je sors. Bon, fait l'étape l'eau là, on va dire le futur très simple. Donc je vais choisir, je vais mettre un personnage très simple, indiquer le futur, on va aller à l'intro. Bon, je vais mettre un trou, donc je vais rien changer, je vais laisser le trou, je vais mettre suivant. On a qu'à aller chercher à l'IFA. Les caractéristiques du trou, donc il s'agit d'un trou lisse. On dit la profondeur, j'ai 25, on dirait 15. Le brut quand même fait 25. Le diamètre, je peux mettre 12. On dit aperçu. Et à voir, j'ai l'origine programme. J'ai l'axe du trou qui génie avec l'axe de l'origine programme. Donc on dit le suivant. On regarde le positionnement qui après les films ont été positionnés du trou direct. La première chose, le point, il y a la première étape très simple. Les machines ont dit le trou. Il y a la position moyenne. Il y a un clique n'importe où qui me chute mais le trou. Alors qu'il y a un arsenal le trou. Par la position libre et un an. Bon, je vais choisir les dimensions. Maintenant, je vais faire comme base 20 sur x, 20 sur y. Dire aperçu parce que ben il y a donc avec une phase de clé. C'est-à-dire, dire suivant. On a qui a été les stratégies voulez-vous utiliser pour percer ce trou. Donc la stratégie est les sous-phases. Donc on a rendu un pointage et le perçage. On a qui est couché là. Pointage, perçage. On a des messieurs musicales. On est suivant. Bon, automatiquement la stratégie est faite. Il y a d'Alha. Donc on a un pointage et un perçage. Le texte qui dit un message ici. Cliquez sur fin pour créer la future. Cliquez sur suivant. Pour changer les outils et ou les avances et avances et ou les vitesses et avances pour chaque opération. On a déjà dit que
Future cam va être détecté par défaut, il a tout le matériel, donc il va choisir les avancées, les vitesses et les outils. Brit a dit le choix, dire fin, le fin, donc il a détecté par défaut. Il m'a dit fin, on dit suivant. Et après, c'est tard, il y a les outils, voilà, l'opération, la sous-phase trop pointage, qui a les caractéristiques de l'outil à Roma, le diamètre du corps, la longueur, etc. هنا كاين واحد الحالة إما جو في شوازيغ أوتيليزي لوتي باغ ديفو ولا نختار لوتي اللي بغيت أنا دونك أنا جو في شوازيغ بويسكي ساجي دان بوانتاج غنختار لوتي باغ ديفو في دوطر أوبيراسيون غادي نبوندلو نختار هادو باغ ديفو نفس الشيء بالنسبة للبوانتاج تخو دو بوانتاج كيعطي لا فيتيس 1412 نقدر نبدل مثلا هنا لا فيتيس ندير ألف ولا فيتيس دافونس 100 مليمتر بارتو جو بو لا شونجي دو متر 100 فوالا ندير سويفون كيعطي لي لا دوزيام اوبيراسيون لا دوزيام سو فاز ترو دو بيرساج كيعطي لي لي كاركتيرستيك كي ساجي دو بيرساج دونك ديامتر 12 ايتترا ايتترا دونك الا بغيت نختار هاد لوتي هو هذاك بغيت نبدلو نبدلو مثلا جو في شوازيغ ان اوتر اوتي ندخل ندير جو في شوازيغ جو في شيرشي ان اوتر اوتي او اون كري ان نوفو ندير وي مثلا ما بغيتش انا لوتي بار ديفو غندير سويفون وكتطلع لي هاد الميساج هذا كنكليكي هنايا نوفي لوتي وهنا كنختار لوتي بويسكي سي ان بيرساج دونك سي اون اوبيراسيون فيتور يعني ما كيديرش ان كونتورناج دونك غنختار هذا بار ديفو اتونسيون فو با اكتيفي لو بوس الا خدينا لو بوس غنقول لنا داكشي مخربق والا كان بوس اكتيفي خصك ديزاكتيفي وتخدم بالميليم فوالا دونك سي ادروات دونك اختاريت دونك جو بو شونجي هاد لا فالور ولكن انا عندي ديجا اختاريت 12 نخلي 12 دير اوكي كيعطي لي هاد الميساج اللي عندي جا الي نومي كذا ندير وي remplacer oui ça fait donc le titre tar les britanniques des suivants neuf si à tenir la vitesse je peux choisir la nouvelle vitesse d'un an à l'élève et l'un des miables n'est pas la vitesse d'avance vitesse d'avance des miens suivant donc voilà j'ai terminé maintenant le choix des outils des avances et des vitesses des fins. فوالا دونك هنا كاين واحد التذكير واحد الشاشه كتجيني في الاخر كيذكرني كيقول لي فوالا لو ترو ديالك ديامتر 12 اون بروفوندور دو 15 اي ساجي دان ترو ليس نشوف لا بوزيسيون كيقول لي لا بوزيسيون ديالو اي سويفون اكس 20 سويفون ايغريك 20 جو بو شونجري ا توت انسون جو بو فير دي شونجمون بون لا ستراتيجي عندي جوج حوايج عندي بوانتاج اي بيرساج فوالا دونك ندير اوكي صافي دونك لو ترافاي اي تيرميني بون le travail est terminé. La deuxième étape à faire, c'est faire le parcours d'outils. Quand on dit le parcours d'outils, regardez-nous comment il y a un petit fichier ou un chouf enregistré code CN. L'enregistrement de code CN ne peut se faire qu'après avoir fait le parcours d'outils. Et là, maintenant, sur le parcours d'outils, je ne peux pas faire un enregistrement CN. L'enregistrement de CN qui est déjà là, le fichier, qui est là, code CN, qui est la code CN, c'est. Vous devez générer le parcours d'outils avant de créer le code CN. Voulez-vous générer le parcours d'outils maintenant? Il m'a dit le oui maintenant. Il m'a dit le oui qui est le parcours d'outils. Ou le matin, on va chercher le parcours d'outils. Il clique à l'icône 8. Ou qu'il y a le chercher à l'aide. Fait le chercher qui est une simulation. Et il y a des articles qui sont faits. Maintenant, on va dire la première simulation. On va voir le chouette qui est là. Il est là. Donc, il y a une simulation filière. D'abord, on va le fichier. On va enregistrer un code CN active. On va mettre le nom. On va obtenir active. Donc, on va mettre afficher le programme commande numérique. Programme CN. On va cliquer là. On va afficher le programme CN. On va installer un simple trou. On va installer le code. On va voir l'icône. Les différentes simulations. Donc, il y a la première simulation filaire qu'on a fait, qui est la deuxième simulation 2D. Bon, je peux cliquer ici, démarquer le message. Je peux diminuer la vitesse parce que je suis chez moi. Bon, voilà. Voilà, donc, il y a une simulation qui est en train de se faire. Il y a une simulation qui est en train de se faire. Il y a une simulation 3D. On peut cliquer sur OK. OK, donc, là, donc opération de, persa, de pointage. Après que j'ai opération de perçage, donc l'opération est libérée. Bon, je peux faire une autre simulation, qui est ma simulation 3D rapide, avec un ticket qui est généré, le trou directement, mais qui est un niche très facile. Ok, avec la machine, c'est-à-dire qu'il y a la machine, je vais
ce que je fais, voilà. On va on va la vitesse. On va comment ça marche. On voilà, je fais le pointage, aucun le perçage. Et voilà. Voilà, donc, avec simulation 3D. On récupère d'abord monsieur Ibn voilà. Bon, simulation 3D, donc, Kane lancé, donc, il y a des liens Kane pas à pas, donc, je peux faire une simulation pas à pas. La simulation pas à pas, on j'en vois d'abord. Bon, la simulation pas à pas, qu'un cliquer, donc, on dit OK. واحد معايا كنبقى انا كنحرك لو تيب شويه فوالا هو غادي السونتراج غنخرجو غيمشي غيمشي بحالو وغنجيب لو تيب بيرسون يعني سي تادير الا بغيت نشوف كومون سا مارش الاوبيراسيون الثانيه الثالثه الرابعه يعني هو طالع هابط فوالا واحد شحال من مره كيطلع ثلاثه المرات عاد كيرجع اي فوالا جي تيرميني وكاين هادي بالنسبه سيميلي اوبيراسيون سيفونت سي تي عندي دوز اوبيراسيون هنا اوبيراسيون دو بونتاج اوبيراسيون دو بيرساج ان كليكي غيعطيني الاوبيراسيون الاولى بونتاج ان كليكي المره الثانيه غيعطيني الاوبيراسيون دو بيرساج voilà pour futur cam c'est tout ce qu'on a à faire maintenant le programme comme numérique est enregistré donc il nous reste qu'à faire l'usinage, c'est-à-dire il faut monter ma pièce sur le charlet robot et faire l'usinage. Bon, là de manière, donc j'ai enregistré le code CN, votre enregistrant. L'acte enregistré les fois de maquin avec une extension TXT. LH. Ramchir fabrication, on est à la jambe de il m'a un achat à film, mais de l'usinage. Chir fabrication, ramchir le post-processeur. Ramchir le post-processeur. Attention, on a dit le post-processeur boss.cnc. Il est en train de faire le parcours. On a dit les postes. On a dit que c'est un donc, l'extrémité est un qui est une extrémité de le fraisage. Le fraisage est un Charlie Robot for you.cnc. Donc, on a dit le post-processeur de le fraisage. Le machine qui a le post-processeur, tu peux pas travailler, c'est-à-dire tu peux pas prendre. Il y a même un GPLO qui communique avec FutureCam, mais après, il y a le logiciel qui transmet la machine pour faire l'usine. Donc, d'abord, il y a des connexions. Au niveau du tournage, on a un autre niveau de tournage qui est installé sur Charlie4T.cnc. Donc, nous sommes en fraisage. Donc, ici, d'abord, c'est qu'on a dit le Charlie Robot 4. U.CS. Cliquez sur le jumeau qui est la ligne. Alors, la ligne d'abord, prenez en considération Charlie Robot 4.CNC. On va dire OK. Une fois c'est fait OK, d'abord, prenez le nouvel post-processeur. Automatiquement, madame, prenez le nouvel post-processeur. On va chercher le fichier dans le code CNC à désactiver. Là, je l'ai mis un autre code CNC. D'abord, il s'agit d'un notre code CNC. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, mais il est vrai qu'il y a une active alia, c'est dans le render simulation. Donc je lance la simulation une deuxième fois. Une fois la simulation est faite, donc on va dire le fichier code CN, on va dire enregistrer. Et donc l'extension des luttes de lettres j'ai ISO puisque j'ai un bon post-processeur à dire sauver au radin si j'ai maintenant donc je vais l'enregistrer le bureau donc smiriel logiciel donc rendir sc sélectionné donc smir fm1 ISO donc ok madame qu'elle a dit 15 je te marre le sous le nouvel nom fm1 ISO des à tout OK, d'abord le nouvel fichier sous un post-processeur convenable de la machine. Voilà le travail fait. Maintenant, je passe le Gpilot. Donc, cliquez là
Donc, à dire le tournage. Donc, Ramchir Gpilot pour le fraisage. Donc, Gpilot. Attention, le pilote a détecté une machine non programmée. Voulez-vous vraiment essayer le programme avec la machine? Mais elle dit la machine, mais malheureusement. Donc, je vais travailler sans machine. Donc, en colonne non. Voulez-vous utiliser sans machine? Colonne oui. Donc, voilà, je vais utiliser le logiciel sans machine. Bon, comme on a le fichier d'IA, il y a des réglages à faire. Dans le dossier lien. Donc, il y a un réglage ici donc, pour prendre l'origine programme. Donc, on a venu sur l'origine programme et l'origine piste. On a fait le compte ici. Donc, je vais dire. Donc, on dirait la tangente suivant X, tangente suivant Y et tangente suivant Z. Dans le cas, il y a un rythme manuellement. Quand on a la machine, va être X, Y, Z. Donc, il a pris maintenant tangente à la X. Quand on a dit l'outil derrière, l'outil humain, donc c'est qu'on a là. Ou quand je suis X, quand on a dit la X, quand on a dit qu'il y a de la surface, on a fait le Z. On met quand on a dit X plus, quand on a dit Z. وغير نقرب لا بيس كندير لي زانكريمون دي زانكريمون دو 1 مليمتر 0.1 سويفون لا بريسيسيون لي بغي غير كي توشي لي لا سيرفاس شنو كندير كندير بوب اكس اون فوا كندير بوب اكس كيطلع لي هذا الميساج كندير له اوكي عاود كنمشي لا دوزيام سيرفاس ايكغيك مادام عندي لو سي ديالي هابط لان جي طونجونتي سويفون اكس دونك غنطلعو بالزيد غنبدل غندير كونتينيو ونطلع بالزيد عاوتاني كنخرج جهاد هاد لا سيرفاس هادي كنزيد باكس بلوس دابا حتى كنجي في هاد لا سيرفاس هادي وكنهبط بالزيد باش نتاح على نيفو دو لا سيرفاس سوبيريور وكنبقى نزيد بإيكغيك بلوس زيد 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 إلا حسيت براسي قربت لا بيس كندير لي زانكريمون دو 1 مليمتر ولا 0.1 مليمتر كنزيد نزيد نزيد حتى كنطونجونتي اون فوا طونجونتي كندير بوب إيكغيك اون فوا سي في بوب إيكغيك عاود كنخرج بالزيد ديك الساعة كنمشي فوق لا بيس افيك اكس يغريك كنبقى ديبلاسي بحال المهم خدام بيدي كنحرك لا ماشين بيدي حتى كتجي فوق البياسة وكنبقى هابط بالزيت بشوية بشوية وندير لي زانكريمون اتونسيون توجور فوا لي زانكريمون باش ما ندخلش بالجد في لا بياس كنبقى نزيد على حساب بريسيزيون كنقرب مثلا ندير زيرو بلا نبقى نزيد 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 حتى كتونجونتي ندير بوب زيد بريز اوريجين بياس بروغرام لا بياس سون كونفوندي ندير بوب اوريجين بياس غير كندوزهم بثلاثة بريز اوريجين بياس سويفون اكس Y programme X, Y et Z. Pour l'achat, c'est une charge à l'aide. Quand j'ai enregistré la nouvelle origine pièce et retour au parking, cliquer à la Z ou X, je ne suis pas en contact avec la machine. Par contre, il y a un PC en connexion avec la machine. Il y a un normal qui est la X, la machine qui est automatiquement les valeurs qui est prêt. Donc, une fois qu'on a enregistré la nouvelle origine machine, ben, même quand on a tangente x, y, z qui me coûte, on a enregistré, on a déjà fait l'origine programme, la tête qui est fait. Quand on a fait la même chose, attention, il y a la jauge d'outils. La jauge d'outils, les fraises qui sont dans la fraiseuse, elles ont des longueurs différentes. دونك لا ماشين خاصها تعرف شاك فريز اللي كنحط لها خاصها تعرف لا لونغور ديالها دونك لا بروسيدور تري سامبل ملاحظه على داك الشيء اللي درنا لي طونجونس افي اتونسيون اون فا با طونجونتي يعني لا ماشين اغيتي ضروري خصني ندير لا مارش لا ماشين من هنا يعني قبل ما نرجع شويه للور يعني بو فير لي طونجونس سويفون اكس يغيك زد باش ناخد بوب اكس بوب يغيك بوب زد خاصك تكون درتي لا ماشين اون روتاسيون هنايا انا لما كندير هنا لا ماشين روتاسيون كيعطي هذا الميساج هنا جو سوي با اون كونيكسيون افيك لا ماشين كندير دونك كيعطيني اون ايرور دونك غنرجع دابا لا جوج دوتي دونك لا جوج دوتي كيما قلنا سي تري سامبل دونك يقدر يكون لوتي في بوزيسيون نابورت كوم كتكال هاد اللي يكون هاديك ابروش دو كابتور كتكي هنا كيعطي لي ايرور جو سوي با اون كونتاكت افيك لا ماشين فين ما كان لوتي كيجي بغات الكابتور كيجي فوق الكابتور كيجي في هاد البوزيسيون هادي كيجي لوتي فوق الكابتور غير كيجي فوق الكابتور كنتكي على هذا ها كنتكي عليه كيقول لي ديسوند الا كنت اون كونيكسيون كنتكي هنا كتهبط لا ماشي حتى غادي لي ايرور انا سو با اون كونيكسيون افيك لا ماشين دونك كنتكي هنا كتهبط وكتاخذ يعني كتاخذ لا جوج دوتي كيقيس الكابتور كيعرف لا لونغور دو لوتي اي فوالا هادو هما لي دو ريغلاج اللي كاينين كاين بريز اوريجين بروغرام سويفون اكس يغيك زيد وكاين لا جوج دوتي بهذه الطريقة هذه اي فوالا جي في مي ريغلاج اون فوا سي ريغلاج سون في فوالا كنخرج من هنايا كنمشي للفيشي وكندير اوفغيغ اوفغيغ ها هو كيطلع لي
FM1 كنت كاينه FM1 انا كي علاش دابا طلع لي لان جو سوي دون ان بون بوست بروسيسور اللي هو اللي وليت لكم قبيل الا ما كنتيش درت داك البوست بروسيسور صحيح راه غيبقى يدير لك دي زيرور هنا ما عمرو طلع لك البروغرام انا بدي هنا غيدير لي دي زيرور علاش لان لا بريز دوريجين ماشين suivant x y prise d'origine programme ps suivant x y z ne sont pas vraies je suis pas en contact avec la machine bon on va dire la pièce d'ira hors limite yani la la position machine oui la lecture du magasin de thé oui attention le plateau martyr veuillez placer le numéro A oui il y a une erreur qui dit un déplacement hors course machine est demandé c'est normal j'ai pas fait des bons réglages mais il y a une erreur l'allure du travail que j'y vais faire. Donc, on a le compte comment on transmet le fichier CFA Home, logiciel FutureCam, Gpilote, Home Gpilote qui fait un traitement. Donc, on est en connexion avec la machine. Donc, il suffit de cliquer ici et je commence mon usinage. Bon, je vais revenir à FutureCam. Donc, tout à l'heure, j'ai fait un trou tout simple, ainsi comme d'autres fonctions. C'est très simple donc on va mettre la fonction c'est mon café donc on va dire vite dessus donc on va d'autres fonctions bon on va poche d'accord neuf chiffres trou on va suivant à une poche la longueur de la 50 la largeur 5 le rayon de 5 donc on peut changer ici mettre la longueur 50 dans le 60 bon la largeur 25 je peux mettre par exemple 20. Bon, le rayon de je vais le laisser comme ça. Donc, aperçu, qu'un des aperçus que j'ai bien fait le compte. Il va programmer le côté. Bon, regardez le suivant. Quelle est la position? Position, on est là. Bon, on est là, 50, suivant X. Voilà. On est plus de 50, on est là, on est là, 20, suivant X. On va dire 40. Suivant Y, un des aperçus, donc j'ai mis donc 20, j'ai mis tof, donc à l'intérieur, achat, suivant X, aperçu, donc comme ça c'est bon. Voilà, donc j'ai choisi ma poche, un des suivants, le stalika, qui est stratégique, je suis qui out pour n'importe quelle opération, donc la stratégie qui est, donc c'est un travail en avalon, passe débauche, on dit passe de finition, des suivants, aïe la stratégie, ou je prête ta route. Les conditions outils avance ma vitesse les retards la machine ou la tubitelle à la retard le diali ou à retard à 2 mètres 14 à la main du diamètre 14 à la diamètre 2 mètres 6 en je vais chercher un autre outil des suivants on a qu'un cliquer à la décon si toi on a qu'à la l'air batage à la tubitelle en distant d'accord à la longueur qui vient à la bizarre à la direct latine bon utile en direct la chine. Voilà, donc on prend des règles, le nombre de doigts en Léon, donc on dit OK, on a qui est OK, OK, veuillez entrer un nombre 20, mais pas un nombre. Ah oui, attention, j'ai fait ici en haut, donc un nombre 20, OK, on a qui est collé, il y a déjà un oui, remplacé par le nouvel outil, oui. Ça fait donc j'ai pris le nouvel outil donc un host suivant les vitesses je peux changer les vitesses donc on dit RF bon ici je fais le son suivant donc opération ébauche passe ébauche 2 donc là on a un diamètre 6 il a changé automatiquement il a changé les valeurs donc la même trade et le suivant. Donc les vitesses, je peux les changer. Dire Alif. Maintenant, on va dire 100. Dire suivant. Bon, opération poche finition. Finition. Donc, donc on va aller à l'outil. Donc les valeurs. Donc on va dire Alif. On va mettre les valeurs. On va aller les grandes vitesses. Voilà, on va dire 100. Voilà, suivant. Et j'ai terminé, donc j'ai réglé tout. J'ai réglé l'outil, l'avance et les vitesses des fins. Voilà, ok, à l'écran, qui est de carte, il a à chaque instant, tu changes ce que tu veux.
نقدر نبدل لي ديمونسيون دابا، نبدل هاد لا ديمونسيون، نبدل هادي، نبدل هادي. نقدر نمشي مثلا بوس، يعني نمشي الباس دي بوش، ونبدل لوتي ديالي. نقدر نبدل لوتي، غنكليكي غير هنايا وغيقول لي بدل ونبدل. دونك هنا بغيت نبدل وكيعطيك نفس الميساج، وي وي فوالا كيبدل. انا خليته هو هذاك. نمشي لي زافونس، جو بي شونجي لي زافونس، لو با دو زيناج، لو فريزاج، دونك لافونس مع لا فيتيس. دونك اشاك انستون جو بي شونجي. دونك انا اختاريت هادشي، غندير اوكي اي سي فيني. نفس الشيء غندير لونسي، جو لونس، طاحت. دونك ندير ايزومتريك باش تبان كيفاش شويه لا فيتيس. فوالا Et voilà, j'ai fait mes opérations, mes deux opérations. True, ce qu'on appelle ici la poche. Neuf chibnis par les autres, je peux ajouter d'autres futurs. Je peux ajouter d'autres futurs. Voilà. Donc, je peux ajouter d'autres futurs. لاحظوا كي طلع واحد الميساج هنايا، يعني جو بو ميتر دي موتيف. يعني مثلا الا بغيتي نوتر فيتور، مثلا غندير ميتياليزاج سويفون. بون طلع هنايا كيعطيني مثلا جو بو سوبر، يعني اناليزاج سيكونت هنايا. دونك جو بو شونجي، مثلا غندير 30 avec une profondeur de 10. Des suivants, suivants. Donc on a la position, c'est la droite de les ingénieurs. Bon, les dimensions quarine. Donc je peux, donc on a des suivants, 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 installer les conditions pour qu'on ait. Voilà, en effet. Voilà, donc là je peux changer. Je vais dire 50, alors on va dire 30, on va dire 20, on va dire 10. Donc, ajouter. Voilà. Effacer. Donc, je vais chercher. Ok. Donc, on va dire 8. Appliquer. On va dire 8. Alors, lorsque le défi ajouté, profondeur 8. Définir, voilà, de l'appliquer, voilà qui sort. Donc j'ai choisi un 25 avec une profondeur de 8 et un 20 avec une profondeur de 10. Ok, bon, il est perspective, en perspective, on dit donc l'allure. Donc maintenant j'ai fait un lamage avec un perçage, on est dans la simulation. Donc pour les outils, donc j'ai choisi des outils municipal, le lamage et le perçage, et ainsi de suite. Donc je peux faire les features que je veux. Bon, je peux aussi voilà, donc je peux prendre la reconstruction. Bon, je peux et le canadien le trou déjà réalisé, je peux le désactiver. Pardon, m'a rendu la simulation. Bon, il va pas prendre en considération le trou, il va faire seulement les autres opérations. Il donne ceci toujours. Donc il faut aller vers fichier, enregistrer CN, puisque j'ai fait une simulation, rendre le fichier. Donc il donc le bureau avec un S et 2 toujours. Voilà, sélectionner nos dossiers. Donc, Smith et FM Horizon. Ok. Oui à tout. Oui à tout. Ok.
Ça fait donc maintenant j'ai enregistré le crème je pilote, on dit ouvrir, régional FM unlit. Ok, là il y a un problème au niveau de la machine, le kill qui gît, il veut me faire la hdo et derrière le poche au réel à des personnes, mais à la marge, et il n'a pas pris le. Il n'a pas pris le personnage de l'eau en compte, il n'a pas le temps. Arja, je te vois, je te vois. On va mettre notre tour, Arja, on va cliquer là. C'est-à-dire, on doit enregistrer le CMR. Je vais enregistrer le CMR, c'est-à-dire simulation. À chaque fois, il faut faire simulation pour faire l'enregistrement de code CMR. Donc, quand je suis là, donc, quand je suis là, on va enregistrer le CMR. Le star est là. On va enregistrer le même. Lieu donc SC1 de sélectionner donc OK oui à tout OK Kemchi le GPL d'avant on va dire là une parfois voilà ouvrir intégrer les messages coucou ton contact à la machine matrice les rôles à MC directement maintenant donc il va faire le trou et il va faire les autres opérations qui est le trou donc qui est la poche donc vous avez le trou là la poche et le la marge donc maintenant il y a un tutoriel salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.